vendeur sédentaire, ça peut m'arriver à titre exceptionnel d'aller vers des clients qui n'auraient pas le temps de venir nous rencontrer en agence. Travaille essentiellement le véhicule d'occasion. On fait un métier qui est passionnant, qui est très prenant aussi. Ce qui fait que ce que j'aime le plus, c'est de parler d'automobile parce que ça fait partie de ma passion. Ce que j'aime aussi, c'est rencontrer des gens. La partie relationnelle est très intéressante aussi. Mon métier consiste à surtout accueillir correctement le client. J'ai en charge la partie commerciale, donc faire en sorte que le lieu de vente soit attractif, avec des véhicules qui soient mis en valeur, des véhicules sur lesquels il y ait des prix et tout un tas d'informations, pour que le client soit bien renseigné et dans les meilleurs délais. Le but, c'est de prendre en considération ses besoins pour l'orienter vers un produit, le conseiller au mieux, dans le but d'arriver sur une vente. Il faut être patient, il faut savoir faire preuve d'empathie, il faut savoir être à l'écoute des clients. C'est de s'exprimer correctement et de ne pas raconter des bêtises aux clients. Voilà, c'est surtout ça le plus important, je pense. Perspicace, il faut être tenace, il faut être droit. Je pense qu'il faut être passionné par ce qu'on vend. Si vous n'aimez pas le produit que vous vendez, vous allez avoir du mal à le vendre. Bien souvent, ce qui est demandé aujourd'hui, c'est souvent un bac plus 2. Un bac plus 2, un diplôme qui soit en rapport avec la vente. En formation, alors moi j'ai fait un bac G2. C'est-à-dire comptabilité, à l'époque, je suis parti sur un BTS action commerciale.